Bah, elle tient pas, ça fait bavoir. Je peux pas. Je suis trop costaud, je peux casser. Trop costaud, je passe pas les bras, et je passe rien à ça. Les épaules que j'ai. La musique, j'ai un petit problème dans ma plantation. Non, je dirais pas ça, c'est j'ai un petit problème dans mon pantalon. Plutôt. Vous la connaissez pas celle-là. Si, vas-y. C'est simplement la parodie. C'est juste ouais, que voilà. C'est juste que j'aimerais voir la suite. Pourquoi ça grossit pas? Tout simplement, après je connais pas la suite. C'était fort, moi. Qu'est-ce qui se passe? Verrouillé. Faut des cachetons, Baleox. Ouais, pour Gala, quoi que non, il y aurait pas besoin. Oh, c'est un homme, il y a pas besoin de cachetons. Oh mon dieu. Gal, t'as fait quoi là? Oh putain, qu'est-ce qu'il a foutu que là? Dommage que je n'ai pas, j'étais pas en train d'enregistrer. Parce on a rien que vu. La chute était magnifique. On a rien vu. Dès que je reprends le live, il a que volé. Je live. Non mais je vais le reprendre le live et puis je vais screen. Il est en train de tout défoncer, Fred. Non. Ben, ouais, en fait, on est en hors contexte là, du coup, on entend pas trop, on comprend pas trop. Il y aurait pas le jeu qui tourne. Mais ça il aurait été au chiotte. Joue tranquille, pépère. regarde derrière ta gauche. Qu'est-ce que oui. Oh putain, il s'est planté. Qu'est-ce que t'as fait? Oh! Il est en dehors des rails. Ouais, ouais, je suis en dehors des rails, je suis passé par-dessus. Oh putain, Fred! J'ai fait. Dans le virage trop fort! J'ai trop fort dans le virage! Oh le carnage! We'll be right back.
Dédicace à toi, Baliox, si tu nous regardes. Je savais que ça allait mal finir, je savais. Je savais. Je me suis fait peur. Ah, il y avait aussi les barbavava quoi, j'étais gamin. Parce que je pense à Chico à chaque fois que je vois sa culotte, c'est enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Chaque fois, c'est ce que je pense à chaque fois que je vois la culotte de Chico. Faut pas chercher à comprendre. Ouais, bah c'est ça, il voulait faire par là au début. Il n'y a pas longtemps, il disait qu'il voulait faire le test PCR par... moi, je laisse personne me mettre un coton-tige dans le fion, hein. Désolé, hein. Je me le fais moi, hein. Je laisse personne le faire, hein. Personne n'enfonce rien dans mon fion, hein. C'est bon. Ça va pas, tu rentres chez toi, 1h du matin. Oh putain, non mais sérieux, c'était calme là. Une fois que tu étais venu par derrière, là je vais refaire la même et là tu vas crier, oh tu vas te calmer maintenant, c'est bon. Attends, ouais mais sauf que là t'es grillé donc forcément c'est mort. Qui est grillé? Toi. Putain vous m'entendez toujours? Bah oui. Dic 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 ta femme une... Il a oublié de muter son micro. Ici. Non, pour le fun quand même, je suis désolé, c'est pour Chatoun. Voilà. Là.
fort. C'est vraiment trop fort. Oh, ce retour. C'est vraiment trop fort. C'est bon, voilà. Ah bah, la pub qui commence déjà. Votez pour vos streamers préférés. Ils sont pas tous en plus. Quelle arnaque. Star Wars. Star Wars. Ça y est, ça en va. Voilà, ça va la pub. Voilà, c'est parti. Alors. Ah non, mais non, il faut que je lance. Et si les mets, les chemins, ici. Je l'ai fait planter à changer de truc. Il a pas aimé le retour window. C'est possible. Wesh. Allô? Allô? Bon, il a pas aimé. On le laisse démarrer tranquille. Hein. Il a pas aimé que je brusque. Qu'est-ce que vous nagez bien, cher? Oh là! Salut, Xu, comment vas-tu? Respire. Ah oui, ça c'était un ours. Hein. Maintenant, projette-toi. C'est l'arme d'un chevalier Jedi. Ah, j'ai oublié de mettre le pull. Oh. Contre un gadget télécommandé, d'accord. Mais contre un homme, c'est une autre histoire. Je sais pas si tu peux créer un clip justement depuis sur Twitch que je récupère plus facilement. Je sais pas. C'est un clipper moi qui est sur Twitch. Ah ok cool. Ah ouais, très bien, c'est plus facile à se repérer. On l'aura pour le prochain best-of. Ah ouais, c'était bien ça. C'était très très bien ça. Alors on était épisode 5. Épisode 5, c'était sur la planète de glace encore. Ah oui.
T'as pas recommencé le 8. Le 8, attends. Si on fait le 5. 6. 7, 8 et demi. Ouais, on y sera. On y sera demain, je pense. Pas avant, hein. Demain soir, demain en fin de stream, quoi. Et encore, il faut que j'avance, quoi, parce que. Tu m'as dit qu'il y en avait un qui était long. Le 6, tu m'as dit. Ah oui, on sait. Tu es avec qui là? C'est Luc. C'est Luc. Ah, c'est possible, hein. Qu'ils aient fait plus long. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, il faut qu'il monte lui. Comme neuf. En revanche, il nous faudra une nouvelle aile si on veut voler. Une aile? Ah. Une aile. Ah, mais il y a plusieurs pièces, non? Ah, c'est quoi? Tu veux que je répare moi le truc là? Crime Fandango. Ah oui, je l'ai fait. Il est pas mal du tout. Où est-ce que je trouve une aile moi? J'avais bien aimé qu'il me fasse mon goût. Ah, elle est bien cette bataille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me tirent, je suis là. Ah, c'est mon jeu. Je suis toujours sur GOG. On a repéré des quadrupodes impériaux. Éco-station pour atterrir. Allez, allez, allez! Direction chauffe par ici. J'ai toujours 10 fois pourtant. Ici, Rock 2. Les TSPT des Snowtroopers ont l'air de s'ennuyer ici. On va les réchauffer un peu. Reçu, Rock 2. Bien joué, Luc. Ils essaient de détruire notre générateur. Arrêtez ces TSPT. Qu'est-ce que j'ai eu là? Ah, c'est les. C'est vrai que c'est inversé ça. Ah putain. Nous
Nous avons besoin de ce générateur pour alimenter la défense planétaire V-150. C'est la seule arme assez puissante dont nous disposons pour lutter contre ce destroyer stellaire en approche. Ah oui, mais je vais le continuer, hein. Je sais pas quand, mais... jamais à ça. Qu'est-ce que vous nagez bien cher? Oh là! Salut Dido, comment vas-tu? J'ai pas vu. Attends. Et ben nickel, écoute, là on a fait The Witcher. Et bim. Et là on reprend Star Wars. On manque un. On manque une tourelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Il est où? Yes. Ah, c'est le câble. C'est le fameux câble, il faut tourner. Hein? Faut serrer. Faut serrer. Faut serrer. Oui. Serré quoi. On va peut-être s'en sortir après tout. On dirait que ça te surprend. Les chances n'étaient pas vraiment en notre faveur. Qu'est-ce qui me tire dessus? Vache. Il faut que je revienne. Ah, faut prendre vraiment plus que l'intérieur quoi. Dessus, ouais, je peux le finir. Yes, roche, mon cœur à faire. Défoncé. Ouais, d'accord. Je prends cher. Oh vache. Il est où? Ah, il est là-bas. Parce que j'ai plus beaucoup de life moi.
faut bien que je les... que je me débarrasse de ça parce que... Normalement c'est bon. Oh putain, j'ai loupé. Bon, ça se fait que j'ai loupé. Yes. C'est mon dernier normalement. Ah, loupé. Ah, il me tire dessus en même temps. Oui, j'essaye en tout cas. Pas ramasser beaucoup de pièces. Ah quand même. Ah oui. Une kit, j'ai trouvé un. Y'a pas de temps à perdre. À bord du faucon. Et vite. Il est encore dans le hangar. Non, je l'ai laissé à la cafétéria. Du bleu, il y avait des pièces bleues. Sinon, oh non, ah bah je reste avec elle, elle peut se stuffer. Ah, pour ramasser les pièces, ah, c'est pas mal ça. Caché là. Un truc caché. Je le torse. Ça c'est fait.
Je sais pas si je peux le prendre. Ah oui. Ça change quoi? J'ai pas compris là. Je vois pas trop l'intérêt. Ils sont où? Ah oui, moitié. Voilà. Les tapadors, ils sont trop bloqués derrière la porte. Ils sont mauvais. C'est juste pour les pièces en fait. Ces pièces. Ça y est, on décolle. Bon, et Dido, qu'est-ce qu'elle a fait de beau ce week-end? Il se rapproche. Ah oui? Regardez ça. J'ai remarqué que l'hyperdrive était endommagé. Impossible de passer en vitesse lumière. Oh super, mais il y a encore moyen de les semer. Ok, Chewie, t'es prêt? Accrochez-vous, ça va secouer. Tous les chasseurs, d'accord. Ah, t'as cherché les œufs, c'est Francis qui doit être content. Je vais nous sortir de là, sans problème. Ah, il y en a ici. Il y a encore des chasseurs tigres à nos trousses. Ouais, mais moins qu'avant. Il y a quand même du progrès, tu trouves pas? Six. Quatre. On ne va pas y passer la journée. Il faut échapper à ces destroyers stellaires. Ouf, Yanni. Oh non!
doit les empêcher de nous suivre, alors. Nous devons détruire leurs radars. Et leurs tourelles. Ces trucs-là ont une sacrée portée, croyez-moi. Les canons laser normaux n'auront aucun effet sur eux. Il faut les toucher avec une torpille à protons. Une torpille ? Ça marche pas ? Moi, je suis pas torpillé, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Pourquoi j'ai pas de torpille ? Ça marche pas. La torpille. Ça marche pas. Le multi de samedi, c'était ETS. Ah oui, ça a été fait au clou encore. Ça finit en destruction des ruines. Et j'ai stream tous les soirs. Hein. Très régulier. Hein. Pourquoi j'ai pas de... C'est compliqué ce store. Ah, j'en ai 4, ça y est. Une. Deux. Mes détecteurs indiquent que nous avons subi d'importants dommages. Ah ouais, 3, tu crois ? 4. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste ? 2 soirs, oui. Oui. Et à parler pour les fêtes. Mais sinon, ouais, c'est rare. Il y a tellement de jeux à faire. Quel couillon. On sait pas dans un champ d'astéroïdes. Ça serait de la folie de nous suivre, pas vrai? Vos chances de sortir un champ d'astéroïdes sont... Tu sais, moi, les probabilités... Comment on a pu en arriver là? Ça me fait pas plus plaisir ouais. Que vous d'être là, princesse. Oh putain, moche. Oh, c'est quoi ça? Un truc caché. Oh, un truc caché. Mais là, on lâche. Encore un truc caché. Encore un truc caché. J'ai fait ce petit ego quand même, pas à dire. Véritable Jedi. Allons voir par ici. Excusez-moi, mais où avons-nous? Je vais voler plus près d'un de ces mastodontes. Plus près? Plus près? Là, ça m'a l'air parfait. J'espère que vous savez ce que vous faites. Ouais, je l'espère aussi. Rien ne cloche, R2. Je change seulement de trajectoire. Nous allons dans le système d'Agoba. Oh, Yoda, non? Ah, j'ai pris le max, là. Plus
essence proton. Je sais pas ce qu'il fallait faire. Mini kit, je crois pas, j'en ai trouvé. Ah si, un, deux. Ah, ok. Alors, voyager vers Dagobah, carte de galaxie. On se mettra ça là. Ah, c'est ça là. Carte de où ? Extra. Où est-ce qu'il y a la carte ? Ici. Dagobah. Ah, c'est une mission annexe. Fais donc attention. Je suis certain que c'est sans danger. Il commence à faire sombre. On devrait établir un campement pour la nuit. Mais où est notre équipement ? Super. Bon, en tout cas, je vais pas nager pour aller le chercher. Explorons plutôt les environs. C'est que ce truc qui a composé un truc, je pense que c'est... Un peu de chance, ça éloignera les insectes et les autres créatures aussi. Il ne me reste plus qu'à trouver ce Yoda, s'il existe. Son arme éloigne. Aucun mal je ne te veux. Je cherche un maître Jedi. Oh, Yoda. Tu cherches Yoda? Oh, je me demande bien ce que je fabrique ici. Nous perdons notre temps. Je ne peux rien lui apprendre. Aucune patience n'a cet enfant. Il apprendra la patience. Oh. Yoda ? Il n'est pas prêt. Je suis prêt, je... Ben, je peux devenir Jedi. Ben, dis-le-lui. Prêt, tu crois être ? Comment peux-tu savoir ? Pour devenir un Jedi, t'entraîner, pratiquer, apprendre, tu dois. D'accord. Par où je commence ? D'abord, accomplir ce simple exercice, tu dois.
Oui, de la force, l'énergie d'un Jedi découle. Mais au côté obscur, prends garde. Utilise la force, soulève la pierre. De nouveaux horizons, tu atteindras. Soulève la pierre. Elle est où la pierre? Le côté obscur de la force, elle s'ouvre. Facilement, elle s'immisce dans une bataille. C'est bon, je suis un maître Jedi. Une fois que le côté obscur t'attire, il te domine. Il te consume. Comme pour l'apprenti d'Obi-Wan, il a fait. Vador. Oh, maintenant, je veux tout refaire. C'était très juste. Rien de plus, je ne t'apprendrai aujourd'hui. Efface de ton esprit toute question. Attendez, il y a quelque chose d'anormal ici. Cette caverne, par le côté obscur de la force, est habitée. Le domaine du mal, elle est. Dedans, il te faut aller. C'est où ça? Faudrait trop m'entendre. Ça pour le cube. Bon, 75 sur 1000. Dark Vador. Vous
Quel garçon, entre. Traînons pas ici. Passage en vitesse lumière. Oh, c'est pas vrai. Il faut qu'on trouve un lieu sûr près d'ici pour se poser. Bespin, c'est pas tout près, mais on peut y arriver. J'espère que votre Bespin est aussi sûr que vous le prétendez. Détendez-vous, princesse. Je connais quelqu'un là-bas qui prendra bien soin de vous. Vaisseau en approche. Veuillez vous identifier. Avez-vous une autorisation d'atterrir ? Non, je n'ai pas d'autorisation. J'essaie juste de contacter Lando Calrissian. Autorisation d'atterrir sur la plateforme 327. Vous voyez ? Inutile de vous inquiéter. On est de vieux potes, Lando et moi. Qui s'inquiète ? T'as raison. Il fallait vendre, je crois. Chewbacca. Bonjour, mais qu'est-ce que je vois là? Je suis C3P, relation humain-cyborg. Vous avez votre place avec nous parmi les nuages. Ah, il a l'air très amical. Oui, très amical. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Des réparations. J'ai pensé que tu pourrais m'aider. Qu'est-ce que tu as fait à mon vaisseau? Ton vaisseau ? Hey, n'oublie pas que je l'ai gagné à la loyale. C'est l'hyperdrive. Très bien, les hommes vont travailler dessus. On couche à tout, comment ça va ? Vous voulez venir prendre un petit rafraîchissement ? Tout le monde est invité, bien entendu. Star Wars sur TMC ? On passe Star Wars ? Je l'ai pas vu. Ce serait un honneur si vous vous joignez à nous. C'est un procédé assez rude, mais il devrait nous permettre de geler Skywalker. Pour le transporter jusqu'à l'empereur. Nous allons le tester sur le capitaine Solo. Cet accord devient de plus en plus impossible. C'est desquels, le 1 et le 2 ? Tu parles de quoi quand... Ouais. Anakin est tout petit ? Il est vivant et en parfaite hibernation. Vous pouvez livrer le capitaine Solo à Jabba le Hutt. Recharger la chambre pour Skywalker. Quelle réussite. Emmenez la princesse et le Wookiee dans mon vaisseau. Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Je n'irai nulle part tant qu'on n'aura pas tiré Anne des griffes de ce chasseur de primes. Alors rejoignons le faucon pour l'arrêter. Changement de programme. C'est pas le menu. Si je change. Il est pas mal choué. Il y a des chances, oui.
gratte-pied dans de la carbonite, Boba Fett l'emmène sur Tatooine. Vivement vu. Contrôle le droïde. Ok. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Il passait, ouais, la grande vadrouille aussi. Les animaux fantastiques. Module. À certains temps. De Boba Fett. Anne ! Venez, princesse. Nous devons rejoindre le Faucon. Mes hommes ont certainement réparé l'hyperdrive. Certainement. Attaque furtive. D'entrer par cette porte, éliminez-le. Le Faucon Millennium ne doit pas quitter la plateforme d'atterrissage, compris? Il m'enferme dehors, c'est ma cité. Ma cité. Eh bien, on dirait qu'il avait un petit problème. Si seulement il était avec nous. Ce petit effronté, comment ça m'a manqué? Ne vous en faites pas, nous récupérerons cette carte d'accès. Sortez-le de là. Nous pourrons vous aider contre l'infâme empire.
Merci. Maintenant, expulsons ces Worts impériaux de notre ville. Il a planté sur le truc ou quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, si ça marchait. C'est quoi? C'est peut-être ça. Elle a toujours le truc quand même. Ouais. Ouais. Il fait un peu poupée gonflable, je te l'accorde. Oh putain. Oh, ça marche pas. Ah, c'est. Ah, ah, ah. La rampe ne descend pas. Chewie, regarde ce que tu peux faire. Nous avons fait le raid de Kessel en moins de 12 parsecs à bord de ce vaisseau. On ne peut les... Empêchez le gros poilu de réparer le vaisseau. Les spats ne peuvent pas aller plus vite que ça. Dépêche-toi, enfin. Moi, je tue un pote. Il sert à quoi le chauve là? Il faut être conscient que chaque seconde qui passe, il y a fortement des chances de passer. Ça me pas tuer.
comment Chewbacca est censé se passer? Ah, c'est les plus anciens, ceux-là. Ce n'est qu'un Wookiee, vous savez. C'est les plus anciens, ceux-là. Je n'aime vraiment pas ce chasseur de primes. Eh bien, nous sommes deux. Ils se battent là-bas, tant que c'est comme ça, ça me va. Ils arrivent. Yes, je vous la fin. On se casse. J'ai vu une cité dans les nuages. Des amis tu as là-bas. Faut que je les retrouve. C'est toi et tes capacités que l'empereur veut. C'est pour cela qu'il fait souffrir tes amis. Mais je peux les aider. Je sens la force. Oh non. Nous ne sortirons jamais de là. Là, je peux beaucoup ramasser. Bonjour, comme moi. Ok. Une kit, j'ai trouvé un. Ah, un manque de Jango Fett. Boba Fett. Comment suis-je censé déplacer quelque chose d'aussi grand? Toujours impossible, les choses sont. Rien de ce que je dis, tu n'écoutes. Je n'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi tu échoues. Je reviendrai. Oh, je promets.
garçon est notre dernier espoir. Non, il y en a un autre. La force est avec toi, jeune Skywalker. Ça sent le duel. Tu n'es pas encore un Jedi. Le premier duel. Là où Luke va se faire couper la main. Seule ta haine peut me détruire. Rejoins le côté obscur. Une petite branlée quand même, hein. Non. C'est trop facile. Tu n'es peut-être pas aussi fort que l'empereur le croyait. R2, tu dois éteindre cette machine! Vite, R2! Nous devons le rattraper. Je ne laisserai pas tomber Yoda. Très bien, R2. Retrouvons-le. Merci, R2. C'est si calme.
Obi-Wan t'a bien formé. Tu sais contrôler ta peur. Maintenant, libère ta colère. Tu ne peux pas t'échapper. Ne m'oblige pas à te défendre. Je dois me souvenir de l'enseignement de Nicolas. Viens, R2. Nous devons le retrouver. Oh, il est tombé. C'est trop juste. C'est mon cher, ça. Il est là. Quelque part. Je peux le sentir. Montrez-vous, Vador. Un grand seigneur si effrayant qui fuit devant un petit fermier. Oh, désolé les gars. Je ferais mieux de continuer à chercher. Non mais qui a besoin d'autant de capes? Bon, il n'était pas là-dedans.
Mon Dieu, d'ailleurs. Ils sont graves. Alors, où est-ce qu'il est ? Ici ou l'autre ? Il est vaincu. Inutile de résister. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan. Tu fais mal, non? Fort, hein. Je tourne là. Jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Il m'a dit que vous l'aviez éliminé. Non. Je suis ton père. Non. Non. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Joins-toi à moi, et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils. Ton père. Leia. Luke, il faut faire demi-tour. On passe en vitesse lumière. Il m'avait dit que c'était réparé. Je t'avais baissé le son du casque. Luke, on est paré à décoller. Bonne chance, Lando. Dès que nous aurons trouvé Jabba le Hutt et ce chasseur de primes, nous vous contacterons. Je vous retrouverai au point de rendez-vous, sur Tatooine. Nous retrouverons Han, je vous le promets. Celui-là, c'est fait.
Oh oui, il a la main robotisée. Alors normalement, on attaque le 6. C'est-à-dire qu'il me manque 6, 7, 8, 9, 4 à faire. 42-80 quand même, j'ai fait mieux que... Ouais. Ah non, j'avais fait la menace fantôme bien aussi. 5, ça c'est 4. Hein. On vient contre-attaque, le retour du jeudi. Elle va être bien sûr aussi avec les... Comment ils s'appellent? Les Ewoks. C'est le dernier épisode de la trilogie là. Autour du jeudi, ouais. Après, on attaque la dernière trilogie, celle que j'ai le moins aimée. Enfin, c'est super plaisant de le faire quoi, ce jeu il est vraiment bien. Au travail, Seigneur Vador. Et maintenant, je sens que vous souhaitez continuer vos recherches du jeune Skywalker. Oui, vous maître. Seule notre union permettra de la tirer vers le côté obscur de la Force. Bien sûr que je me fais du souci. Et tu devrais te faire aussi. Lando Calrissian et le pauvre Chewbacca ne sont jamais revenus de ce terrible endroit. N'en sois pas si sûr. Alors, j'aime quand même qui là? R2D ou c'est trop PO? Un petit truc là à faire. Un speeder. Et qu'est-ce qu'il fait séparer lui encore? Oh putain. Qu'est-ce qu'il a foutu? On peut monter dessus, on peut monter dedans. Allez, reviens. À vrai dire, en le pensant, je suis sûr que Lando et Chewbacca sont capables de se débrouiller tout seuls. Peut-être que nous devrions... D'accord, très bien. Pas besoin de le prendre comme ça. On dirait que ça va faire appel à ton expertise, R2. C'est vrai qu'il a certaines qualités graphiques quand même, hein. Même si c'est l'humour, c'est... Ouais. Il laisse les traces dans le sable quoi. Comme des détails qui sont pas bien foutus. Hein. Ça m'a interpellé ça. C'est vaste, tu peux explorer. Ouais.
Ça ressemble effectivement à une sonnette. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. On dirait bien qu'il n'y a personne ici. Retournons voir Maître Luke pour lui dire. Bonté, Vince. Achoua, Pinky. Might be cousin. Merde. Attends. Oh, Seigneur. Ah oui. Un stick à livre chouchoui. Ah ouais, c'est vraiment bien foutu. Ah oui, Leïla. Leïla, elle est chasseur de primes. On laisse tomber notre couverture ou on y va plus subtilement? Reste près de moi, Chui. Non, je ne vais pas défaire tes menottes. Inutile d'insister. Petit. Ouais, faut que je regarde où c'est que ça sort. Sur un interrupteur. Compris, non. Il y a un truc à faire. Tiens. C'est bien. Pourquoi ne pas utiliser une bonne vieille serrure à clé? Comment fonctionne cette porte?
Pas mal ça, plutôt réel. C'est un robot, ça? Oui, je pense que c'est. Je ne vois rien. La vue reviendra progressivement. Qui es-tu? Quelqu'un qui t'aime. Léa. Je connais bien ce rire. Écoute, Jabba, j'allais justement te rembourser, mais j'ai eu un petit imprévu. Kagok, you need solo. Jabba m'a pas battu. Tu vas m'amener à Jabba maintenant. Le Dutaku ou Jabba now. Montre-moi le chemin. Nous allons voir Jabba. It is a Jabba. Rappelle à tous que je suis un invité sans importance. Et qu'ils ne doivent pas faire attention à nous. On te remet dessus. Dites à l'œil de Mjusson, c'est qu'il a l'air bizarre. Ostagi, Uba, Uta Longwangi. Mon ami, Tsunagi. Il a changé la couleur du sabre. Si vous essayez de me trahir, je ferai un nœud de votre lécou. Ils tombent tous. Mmh.
ce que Jabba sache que je suis un chevalier Jedi. Juste au cas où il n'ait pas remarqué mon costume. Master, Jabba no pace, Luke Skywalker, Jedi Knight. Tu vas m'amener le capitaine Solo et le Wookiee. Ça marche pas sur lui. Direct, gratuit. Il dit que son rencor est un masque de goûter à la chaîne d'un Jedi. Oh, soyez prudents, maître. Bien joué, maître Luke. Bouffer, c'est clair, hein. Life déjà. Il me choper. Ça va, j'ai vu le pire. Même 2 secondes. Dernière erreur que vous commettrez.
Attends, sous l'angle que tu sais. T'es censé être sur cette barge. Tu fais le service dans le salon VIP? Est-ce que ça fait partie du plan? J'ai bloqué pas mal de monde. Allons-y. Si on arrive trop tard, ils feront office de dîner pour Sarlacc. J'espère. New follower. J'ai tenu une petite annonce. Merci pour le follow, chef. Merci à toi. Et bienvenue. Il est bien ce Star Wars. Oh, je crois que j'ai mis le coup. C'est quoi ce truc là? Ah ben celui-là, je le trouve particulièrement bien réussi. Il est vraiment bon. Je suis au 6e épisode. Le retour du Jedi. C'est là où il se bat avec Boba Fett, je crois. Ah oui. Avant qu'il se transforme en Dark Vador. Ah, c'est Boba. Le père Django. Je déteste ce chasseur de primes. Tiens. Oh mais attends, je dois voir comment. Ah, je peux lancer slash. Non. Ah mais j'ai un blaster. Ok, je croyais que j'avais lâche. Oui. Je me fais avoir. Non, c'est pas lui. You. C'est quoi ça? Ouh, c'est des grenades. Mais la poussière. Comme chose. Yo. Yeah.
Oh, il est cuit là. Yes. Le voilà. Yes. Montez. Ah voilà la fusée. Ah, c'est ça, il tombe dans la gueule du truc. Boba Fett. Boba Fett, où ça? La fête est finie. Il est temps pour vous de partir. Attrapez-les. Il est pas content. Excuse la bungee cut. Faut pas qu'ils atteignent Jabba. Je me repars. Ah, il faut faire un truc là. Presque. Presque. Cessez immédiatement. Ok. R2, merci pour ton aide. J'espère que tu sais ce que tu fais. On va y aller moi parce que... R2, va chercher Leia. On va retenir les gardes de Jabba. Ah, espèce de rat là. Oui, c'est vrai, le rat Gondel. C'est vrai. Ça vient sous Scrum. R2, aide-moi à me débarrasser de cette crapule gluante. La fête est finie. Il est temps pour vous de partir. C'est fort, hein. Déjà, les trames avec ces chaînes, non? Saleté de petit singe, Léza! Arrête ça! Frappons-le fort avant qu'il ait eu le temps de nous voir! Oh,
Où ça peut aller? Les porcs. Jamais revoir cette saleté. Oh putain, il est pénible. Je vais changer, je vais prendre lui. Mal. Ici. De petits singes servent finalement à quelque chose. Ou c'est la dernière fois. Sur la corde. Allons-y et n'oublie pas les droïdes. On arrive. On se retrouve. Ah mais c'est les Ewoks que tu parles. Ouais, c'est les Ewoks. C'est la fête finale en fait, à la fin de Star Wars, ce trilogie-là, ils font la fête là. Et là où tu vois Yoda, Obi-Wan et Anakin en fantôme. Je dois terminer mon apprentissage auprès de Maître Yoda. Prêt à aller sur Dagobah ? Il est très très bien fait. C'est... Et on disait aussi que graphiquement, franchement, il est pas ridicule. Hein. Ah, il est très très bien fait. Non, moi, c'est rare que je fasse un jeu comme ça sur plusieurs jours. Je crois qu'il était au 3. L'épisode 3. Il me semble. J'espère que Maître Yoda ne m'en veut pas trop d'être parti. Merci, R2. J'espère qu'il verra les choses comme ça aussi. De nouvelles informations sont disponibles. Dans le cas où ça vous intéresse. Est-ce que vous m'invitez? Quelque chose me dit que je peux le faire. Comme ce que le vieux Ben avait. Donc, du coup... Mince. Ah, de peu. De peu, de peu, de peu. La force n'en a pas encore fini avec moi. Ce n'est
n'était pas dans ma formation de Jedi. C'est pas trop lui qui... Je peux le faire. Revenu tué. Approche donc. Ah ouais, je crois que c'est là où Yoda il meurt. Ouais, il est, franchement, il est top. Ouais. Luke. Encore une épreuve, il y a Vador. Affronter Vador, tu dois. Est-ce que Dark Vador est mon père? Ton père, il est. Il... Il y a un autre Skywalker. Yoda sera toujours avec toi. Obi-Wan. L'autre dont il parlait. Leia. Leia est... ma sœur. Ton intuition a vu juste. Allons-y, nous devons rejoindre la flotte. Ah, il a rejoint exact, la force. Red. Nous n'avons plus rien à faire ici. Allons au point de rendez-vous. Oh, j'ai pris le cube. Il y a un cube. Oh, punaise, il faut le voir celui-là. Waouh, c'est incroyable! Ah, ils sont vicieux. Il est gratuit. Ouais, ouais. Et encore, j'ai pas tout fait, il faudra qu'on fasse un stream exprès pour racler un peu les fonds de tiroir parce que j'ai quand même tiré tout droit. Hein. Mais c'est un super jeu, franchement. Le dernier que j'avais fait, je crois que c'était sur les trois épisodes où Anakin est... L'épisode fantôme, je crois, la menace fantôme. J'avais un Lego, je crois. Ouais, ouais, ouais. Il y a une sacrée durée de vie quand même. Parce que là, en tirant tout droit, ça fait quand même. Quatrième stream, ça fait quand même. On va dire une bonne dizaine d'heures déjà, et j'ai pas fini. Pour faire 100%, je pense que. C'était quoi, 27-30 heures hein. J'avais vu. J'ai même pas mis les points de compétence au moins. 35 heures, tu vois. Donc très bon rapport qualité-prix. Sans compétence, j'ai plus une perso débloquée, je l'ai pas fait. Réflexe du Jedi. Ah tu vois, j'ai plus de trucs à faire. Héros. Ou rien.
une demande de réparation pour réparer cette porte, mais... les droïdes de maintenant sont tous de l'autre côté. Donc, ouais, un vrai casse-tête. Ah, console, c'est pas... Le choix vite fait. Oui, le PC c'est un investissement, mais au niveau des prix, ça se compense. Parce que PC, oui, tu mets le prix d'un PC, mais après sur les jeux, tu gagnes, on s'en rend pas compte, mais tu gagnes beaucoup. L'assaut des chasseurs. Bonne chance. Cependant, impossible d'attaquer l'étoile de la mort avant que le bouclier ne soit désactivé. Mon équipe est prête. Je viens, moi aussi. T'as mis de la nourriture pour poisson. Alors. Comment est-ce qu'on va se rendre sur Endor sans que l'Empire ne s'en rende compte? Dans le hangar, il y a quelques vaisseaux de transport de l'Empire qu'on a empruntés. On va s'en servir pour s'introduire. Compris. Allons-y. Son oui. C'est là où on va atterrir, ça s'appelle des Wookiees, des Ewoks. Ok, si, il faut prendre le vaisseau, peut-être c'est mieux. Celui-là. C'est super bien fait.
Sue et moi, on va s'occuper de ça. Restez ici. Les rebelles, donnez-le leur. Super, allons-y. Là-bas, des rebelles. Ils sont à la recherche du générateur de bouclier. On ne peut pas les laisser dire aussi trop qu'on est là. Alors, on va leur en attention, d'autres troopers. J'ai tout, j'ai tout à l'heure. Ils sont trop peur. Allez sur cette laine! Non! Poursuivons-les! Ça va être top ça! Comment conduire cet engin? Oui, faut pas lâcher le guidon. C'est ça et tout. Super bien fait ça. Je sais pas sur quoi je me suis. Tu viens là? Puissant. Hey, ces speeders seraient plus pratiques sur Tatooine.
Bien moins d'arbres. Tu as trouvé où sont les freins sur ces trucs? On a de la compagnie. Ça s'est mangé. Il m'a envoyé dans le décor. Oh. Ah, quelques petits bugs, mais c'est très léger. Il m'a envoyé dans le décor. Putain, oh putain. Costume. C'est terminé. Luke, où est Leia? On a été séparés. Quelque chose à ce qu'ils disent? Oui, maître Duke. Nous faisons désormais partie de la tribu. Que... Leia! Luke, qu'est-ce qui ne va pas? Vador est ici. C'est mon père. Ton père? La force est puissante dans ma famille. Mon père, là. Je l'ai. Et ma sœur, là. Je ne sais pas pourquoi, mais... je l'ai toujours su. Puis c'est donc pourquoi je dois l'affronter. Il dit qu'il va nous montrer un chemin rapide vers le générateur de boucliers. Ah ouais, c'est très très bien fait.
crois vraiment qu'on peut faire confiance à ces boules de poils? Chewie a raison. Ils sont notre meilleure chance de trouver la base. Très bien, mais je vais garder l'œil sur celui-là. C'est quoi ce truc? Ah, c'est le bucket. D'accord. Il y a eu la scène aussi. Avec les deux gamins. C'est Dorothée qui faisait le générique. Quelques gardes, on devrait pas avoir trop de problèmes. C'était avec les Ewoks. Hein? Restez ici, on va s'en occuper. Ah ben ouais. Ah ouais, elle a cartonné de route quand même à son époque. Oh bien. Ah, il a un arc, c'est excellent ça. Ils font la fête. Il y a une grosse pétoire. C'est moche.
Un truc assemblé. Ah, il est sonné. J'avais qu'il a choui. C'est quoi ce truc? Ah. Des flèches, je suis pas sûr. Ça y est, t'as fini Papy's dedans. Non, c'est filé. Ah, ok, pour monter. C'est bien foutu, franchement. Il est caché, le pauvre. Il a peur. Il sonnait. Est-ce que Choui peut faire quelque chose, hein? Voilà. C'est plus trop haut. Alors, filet. Filet.
c'est excellent. Excellent. Ah, il faut les appuyer. Je vous aime. Je sais. Usagers, ne bougez plus. Chewie, amène-toi. Non, attends. J'ai une meilleure idée. C'est un rebelle qui s'est livré de lui-même. Beau travail. Laissez-nous. L'empereur t'attendait. Collection de casques, c'est tout. Une kit arm et une quête. Je sens le conflit en vous. Débarrassez-vous de votre haine, père. Il est trop tard pour moi, mon fils. L'empereur te révélera la vraie nature de la force. C'est lui, ton maître, désormais. Laissez-moi passer. Je souhaite voir. Je suis désolé, monseigneur. L'empereur a bien précisé de ne laisser entrer que les Skywalker dans la salle du trône. J'ai jamais entendu parler d'eux, mais ils doivent bien être quelque part par ici. J'avais oublié que l'on avait augmenté la sécurité ici. Encore un de ces. Où est donc passé cet autre trompeur? C'est cool que tu puisses contrôler Vador. Hein.
sont stylés. Ah, ils sont vraiment stylés. On est bientôt à la fin, moi. C'est pas là où ils se battent contre... C'est pas la fin du 6, ça? Tu dois savoir qu'il est impossible pour ton père de revenir du côté obscur. Il en sera de même pour toi. Vous vous trompez. C'est moi qui ai permis que l'Alliance découvre l'emplacement du générateur de boucliers. Il n'a rien à craindre de ta pitoyable petite bande. À tous les groupes en formation d'attaque. Observe le pouvoir de cette station spatiale de combat, entièrement armée et opérationnelle. Feu à volonté, commandant. Cette chose est opérationnelle. Bien. Je peux sentir. Attaque-moi avec toute ta colère, et tu auras terminé ton voyage vers le côté obscur. Laisse parler ta rose. Laisse-toi envahir. Vous n'êtes pas arrivé à me tuer avant. Et je ne crois pas que vous arriverez à me tuer maintenant. Il sous-estime le pouvoir. Vous avez pris cher, Adorant. Quand je colère, je peux la sentir. Le bon, vous. Le conflit. Il n'y a aucun conflit. Une cible facile. Oui, oui. Abandonne-toi au côté obscur. C'est le seul moyen de sauver tes amis. Ah, il me semble que c'est le combat final, oui. Dépensez ton désormais, accomplis ton destin.
et prends la place de ton père à mes côtés. Je ne passerai jamais du côté obscur. Je suis un Jedi. Comme mon père l'était avant moi. Ainsi soit-il, Jedi. Je vous en prie. Je ne m'attendais pas moins des pathétiques Skywalker. C'est fini! Vous avez perdu! Nous verrons. Assez, je suis fatigué, votre insolence. Garde, anéantissez cette... Ah, il y en aura même d'autres. L'enchaînement que je l'ai. Mon pote à moi. Elle descend. Cesse ce comportement impétueux. Tu as perdu. Tes piètres compétences ne valent rien face au pouvoir. Aide-moi à retirer ce masque. Dis à ta sœur que tu avais raison. Il faut que je vous sauve. Tu l'as déjà fait, Luc. Fréquent. Bouclier désactivé. Attaquez le réacteur principal de l'étoile de la mort. On arrive. Que Luc n'était pas à l'intérieur quand ça a explosé. Il n'y était pas. Je peux le sentir. Très bien. Non, je me mettrai pas entre vous.
Non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. C'est mon frère. Anakin, Yoda, Obi-Wan. Ah, c'était bien fait, ouais. Ça colle bien au film. Là, normalement, et demain, on attaque la dernière trilogie. La dernière trilogie. Dans 3-1, c'est moins bien. Là, sur la dernière trilogie. Hop. Qu'on aura fini mercredi avec un petit stream récap lundi d'après et puis c'est bon hein. on est bien hein. Là on est au 7. J'ai besoin que quelqu'un m'explique ma place dans tout ça. Après en ayant vu les films il n'y a pas longtemps, je connais déjà les tenants et aboutissants. Allez, c'est rien pour ce soir. On a bien avancé. Je pensais pas faire autant. Ah, t'as pas vu les trois derniers? Ah oui, alors. Franchement. J'ai pas. Bon, ça se laisse regarder. C'est pas mal, c'est bien fait, c'est tout ce que tu veux. Mais. Bon, après. C'est tiré par les cheveux, c'est. Ouais, franchement, c'est pas. Ils sont pas. Les trois, ils sont partis dans tous les sens, et puis. Ils ont voulu recréer une fanbase. Se débarrassant des anciens persos, enfin, c'est. Voilà, sans spoiler, c'est ridicule. Moi, j'ai pas du tout aimé. Du tout. Mais bon. On va les faire sur des goûts, ouais. Après, il y a moins de combats anthologiques dessus. Mais bon, on va aller au bout quand même. Et je pense que mercredi soir, on aura fini tous les chapitres. Il faudra peut-être lundi pour essayer de. Je vais voir. Ouais. De toute façon, après, il y a trois trilogies. Après, la saga des Skywalker, c'est fini. Les prochains Star Wars, ce ne sera pas sur Skywalker. D'après ce que j'ai vu. L'histoire est. La boucle est bouclée. Et heureusement. Franchement, les trois derniers. Alors, qui c'est qui nous restait? Il y avait Bad aussi qui était en Soum-Soum. Bonne nuit, Bad. Repose-toi bien. Il y avait Dido qui a fini ses papiers. Bon courage pour demain, Dido. Il y en avait Exuria. Exuria qui fait du camion aujourd'hui, je sais pas, tiens, j'ai pas regardé.
Repose-toi bien aussi, Exuria. Et on se retrouve demain pour l'épisode 7. Donc la dernière trilogie de Lego Star Wars. Passez une bonne nuit. J'ai une journée complète. Bonne journée. Et on se retrouve demain soir pour la dernière trilogie. Passez une bonne nuit. À demain.